accord, nous voterons contre ce projet de loi. Monsieur Davy. Oui, je voulais. Merci, madame, monsieur le rapporteur. Et je voulais prendre la parole parce que je suis un peu surpris par la teneur des débats. Je voulais commencer par vous donner quelques chiffres. Est-ce que la France dépense trop pour la santé de nos concitoyens et concitoyennes ? La réponse est non, chers collègues. En France, les dépenses de santé avoisinent 5 000 euros par habitant, contre 6 000 euros en Allemagne et 10 600 euros aux USA. Alors ça, c'est une preuve. Et oui, c'est une preuve. Les chiffres sont quand même têtus. C'est quand même une preuve que quand une dépense de santé est socialisée et publique, ça coûte moins à l'ensemble de la société que quand elle est privatisée. Ça, on a un exemple assez clair là-dessus. Alors on pourrait limiter certaines dépenses, c'est sûr. Par exemple, avec un pôle public du médicament, on en a parlé la semaine dernière, qui produirait certains médicaments que les laboratoires facturent trop cher. Bon, nous pourrions améliorer effectivement la politique de prévention sur le tabac, sur l'alcool ou les maladies professionnelles. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que les budgets sont si catastrophiques que ça ? Non. La solde des administrations de sécurité sociale est en excédent cette année de 0,5% du PIB, ce qui représente 12,9 milliards d'euros d'excédent. Est-ce que je m'en félicite ? Non, non plus, parce que ce n'est pas une situation dont on peut se féliciter. Nous répondons de moins en moins bien aux besoins. Et pour prendre deux exemples, l'hôpital est au bord de l'effondrement. J'aimerais quand même que vous preniez conscience de ça. Les soignants n'en peuvent plus. Et il y a bientôt des gens qui vont mourir par ceux qui ne pourront pas être pris en charge. Mais bien sûr, mais c'est vrai. Mais discutez avec les hospitaliers, ils vous le disent tous les jours. Voilà. Donc, l'hôpital est au bord de l'effondrement. Laissez-moi finir. Vous êtes en train de... Il y a un truc qui est en train de se mettre en place. C'est que les arrêts de travail ne seront plus rémunérés pendant les périodes de week-end. Dites-le aux salariés que ça, c'est quelque chose qui est actuellement dans les... bien, voilà. Nous devons donc dépenser plus pour l'hôpital et la prévention. Mais pour cela, il est souhaitable, évidemment, de revenir sur une politique d'exonération des cotisations sociales qui a lieu depuis des années. Les taux de prélèvement à la charge des employeurs pour une rémunération au SMIC sont passés de 42% en 91 à 7% aujourd'hui. Alors on a compensé évidemment avec l'impôt en partie, mais ce n'était pas la solution, vraiment à mon avis, qui est la bonne par rapport à ce qu'on doit faire. Je pense qu'il faut revenir sur ces exonérations, notamment pour les hauts salaires où elles ne servent